Bon, je veux pas vous foutre la pression, hein, mais c'est super chaud en ce moment avec madame. Ouais. Ouais. Hein, Starla était déjà en linéaire, alors quoi? Ouais, moi je le rappellerai. Ouais, vous avez pas l'air de bien vous rendre compte, hein. Tant c'est normal, hein, vous êtes des artistes. Mais Madone, c'est 39% du chiffre de la hausse. Donc, putain, mais je vais te cracher à la gueule! Non, je t'ai dit que je verrais ça tout à l'heure. Alors, encore une fois, je veux pas vous stresser, hein, mais c'est inimaginable de se planter sur Starlight. Ok? Soyez frais, c'est à 15h. Parce que, hey, moi je vous connais. Vous êtes déjà en maillot de bain, là. Hein? Mais il y a du boulot d'ici là, là. C'est quoi ça? Hein? C'est du work in progress? Mais quoi? Mais tu vas cracher la gueule de qui exactement? C'est ça que je veux. Hein? Tu vas cracher la gueule? Ah ouais, non, ça c'est mon assistante. Ah, merde, cette pute! Je te jure, attends, regarde. C'est mon portable. Avec ça, je suis toujours en relation avec elle, tu vois. C'est comme ça, je suis toujours au courant de tout, quoi. C'est trop fort. Ouais, c'est un nouveau système américain, ça décroche automatiquement, c'est génial. Mais alors tu vois, là, ça s'arrête pas de sonner en ce moment. Ouais! Ouais, attends. T'as de la merde dans le cerveau, quoi. Je te demande si t'as de la merde dans le cerveau. Il est bien, Jeff, en ce moment. Ouais, du coup, il enlève. Second degré. Non, tu n'es pas... Monsieur Gagnon, bonjour. Ce que Jeff ne dit pas, c'est qu'on est le 12. Et que le 15, il recevra l'évaluation trimestrielle de son travail remplie par son client. C'est-à-dire par Madone. Une sorte de carte de notes pour adultes. Alors il flippe sa mère. Normal, c'est fait pour. Connard. Qu'est-ce que je disais? Non, mais ça pue la choucroute de merde ici, non? Ah, Jeff, laisse-moi te présenter monsieur qui fabrique cette choucroute. Ah oui, Jean-Pierre Ranu. Jean-François Marolle, Jean-Pierre Ranu. Voilà. Monsieur Ranu, vraiment, je suis profondément désolé, mais vous savez, on a tellement de stress dans ce boulot, on a besoin de se relaxer. Non, mais laisse tomber, c'est le régisseur plateau, laisse tomber. Cambre-toi. Hé, hey, c'est plus viens voir. Il y a eu des sandwichs avec la choucroute de merde et du ketchup. Vous êtes lourd là, hein. Vous m'avez bien eu là. Hein. Bon, je compte sur vous pour tout à l'heure. Hein. Ouais, on reste focus sur Starlight. Ouais, hein. Focus là. Hein. Ouais. Putain, mais je vais t'enculer à sec avec des graviers, connard. On s'entend. Jeff n'a pas du tout envie de se marier. Mais c'est pas grave, c'est cool. D'ailleurs, tout le monde est cool à la Rosse. C'est normal puisqu'on fait un métier cool. Par exemple, pour lui, ce matin, ça a dû être un enfer. Papa! Papa! Bon, ça suffit, Jean-Jacques. Papa a une réunion très importante cet après-midi dans une agence de publicité. Alors tu le laisses se préparer. Chez Madone, tous les chefs de produits portent des chemisettes. Et des cravates avec des petits animaux dessus. Ils ont aussi un autre point commun, celui d'être extrêmement stressés. Vous avez reçu mon mail de confirmation? Validé. Président? Non, monsieur, ça fait un peu trop. Faut pas me prendre au sérieux. Président? Ça me fait prendre pour un con. Vous avez... Pour un chef de produit, avoir l'air cool, c'est hyper important. Non, un petit peu trop gris, là. Mais faut jamais oublier qu'un client n'a pas d'idée. Et c'est pour ça qu'il vient nous voir à l'agence de publicité. Validé. Non, mais ça... Non, mais là, c'est sûr qu'il faut se braquer ce tronçon. Je n'en ai pas, moi. Vous avez... Merde! Ça va pas... Merde! Merde! Et merde! Et merde! Comme il sait qu'on sait qu'il n'a pas d'idée, son obsession, c'est justement de ne jamais passer pour un ringard qui n'a pas d'idée. Tu comprends? Toi aussi? Finalement, je m'y suis là parce que je pensais... Bon, ben j'y vais. À ce soir. Bon, vous avez autre chose? Chef? Oui? On est bien d'accord qu'on est là pour vendre du yaourt aux gens. Ah non, ça, j'espère que tout le monde est d'accord là-dessus, hein, parce que sinon... Non, non, bien sûr. Charlie, vous aviez un autre truc, là, vachement bien. Vous avez trouvé... Bien sûr, hein, tu as raison. Hein? Putain, Charlie. Ouais, il y avait aussi le concept minceur, là, que t'aimais bien. C'était les deux nanas super canons qui rentrent dans le resto.
Fin de dîner. Oh, on a drôlement bien mangé, mais puisque nous sommes anorexiques, allons nous faire vomir dans les toilettes. Voilà. T'aimais bien ça. Ou t'aimais bien l'idée aussi du top model star devant un rail de coke. Tu sais, quand elle disait j'aime bien la coke, c'est blanc, c'est cher et ça coupe l'appétit. T'aimais bien ça aussi. Ouais. Excusez-moi, on est en train de marcher sur la tête là. Faut arrêter la picouse, les gars. Hein. Sur 8 secondes. Action. Pô, será que é meu filho mesmo? Bom, tudo bem, beleza. Ó, Sofia, por favor, vai embora. Vai embora, vai longe daqui, entendeu? Você é lindo. Você é muito lindo. Tá na hora de ir embora, entendeu? A vida é difícil, entendeu? Eu também fui menino de rua, fui pra favela, entendeu? Nasci, fui criado na rua. Mas você, ó, lindo como é que você... Ó, sou feio, olha minha cara, feio demais. Pô, vai embora, entendeu? Faz sua vida do jeito que a vida quer, entendeu? É do jeito que a vida quer. É desse jeito, é assim, foi brasileiro, pô, entendeu? Faz também. E vamos ficar amigo, tá bom? Amigo. Não, tu ne démissionneras pas. Démissionner, c'est déclarer forfait. C'est pas toi qui vas sortir, ce sont eux qui vont t'exclure. Tu veux qu'ils te jettent dehors en te crachant dessus. C'est ça ton plan de carrière. Ils vont bouffer du parango. Tu seras plus fort qu'eux. C'est pourquoi tu te rends à la réunion hebdomadaire du FAP, le Front Antipub, un groupuscule activiste étudiant que Charlie t'a déniché sur Internet. Et il y a aussi de la farine de quinoa. Ah, c'est bon, du Pérou, les mecs, je l'ai ramené moi-même la semaine dernière. C'est vachement bon pour la transit intestinale. Parce que tout le monde est dans la lenteur aujourd'hui au niveau de la transit intestinale. Tu te comportes exactement comme eux, là. Fais gaffe, hein, comme eux, pourquoi? Ouais, excuse-moi de te dire ça, mais tu fais du marketing verbal. Du marketing verbal, attends, excuse-moi, ouais, et toi, fais attention à tes mots. Toi, tu sais ce que tu dis, là? Tu fais du marketing verbal? Ouais. Non, fais attention à tes phrases, parce que j'ai le droit d'avoir une idée, j'ai pensé quelque chose. Ouais, j'ai le droit de penser qu'aujourd'hui, on peut vivre avec 10 balles par jour. Voilà. Attends, est-ce que tu sais combien ça coûtait, les graines de pavot? Non, mais attends, excuse-moi, ah, ok, alors, ok. D'accord, alors, regardez Jean-Eudes. Regardez Jean-Eudes, il se nourrit exclusivement d'endives depuis 2 ans et demi. Il faudrait faire une tentative d'attentat. Non mais attends, par contre, faut que t'arrêtes de toujours partir comme ça. Mais bon, mais il a pas raison. Mais ben t'as pas raison. Mais il a pas raison. Mais excuse-moi, c'est toi qui parles comme ça. Mais il a pas raison. 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 Tout à coup, tu as envie de te poser la question que tu te poses depuis ta naissance. Mais qu'est-ce que tu fous là? Barrières, quoi, si tu veux, tu vois. C'est qu'à mon avis, philosophiquement, c'est totalement inepte. Ouais, j'ai l'impression que c'est des... Excuse-moi, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est... des contre-vérités. Je m'inscris en faux, tu vois. C'est que... j'ai l'impression que là, tu fais... C'est quoi, tu fais du marketing verbal? C'est juste non ouais, quoi. C'est laid. Ça ne tire le marketing verbal. On a mis des fruits comme tu veux. Wouhou! Yes! Oscar! Wow! Putain, t'étais où? T'étais où? Arrête! T'es où là? Putain, j'en peux plus moi! Tous les week-ends, c'est la même chose! C'est d'accord, on ne vous entend jamais, c'est très chiant! Ça me passe, il y a des garçons, ouais. Profite! Regarde-toi, regarde-toi!
Bien, au niveau du mail de confirmation de Jean-Christian, les précisions de la shooting list étaient contractuelles pour le tournage, tout le monde est bien d'accord là-dessus? Oui, hein? Notamment que, contrairement à la note d'intention initiale, les espadrilles de la femme Starlight doivent être en tissu, mais à semelle de corde. Et ça, c'est une demande du siège, hein? C'est important. Ouais, si tu veux, ouais. Ah, non, 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 attends, non, 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 c'est pas si tu veux. Non, pour les espadrilles, on s'en branle, mais Madone signe un découpage. Hein, si on retrouve pas tous les éléments au montage, je le trappe le film. Hein, on a un contrat, je suis final sur ce point. Inutile de préciser qu'aucune mouche ne présente lors de ce genre de réunion. Normal, elles savent qu'elles risquent de se faire violemment sodomiser. Elle a l'air de rien, cette petite réunion. Pour vous, complètement surréaliste et divertissante. Et pourtant... Bon, et Giovanni, qu'est-ce qu'il en pense? Giovanni? Monsieur Duller? Lui, c'est Giovanni del Toro, le réalisateur. Il a été choisi parce qu'il est très pro. Traduisez, il s'écrase devant l'agence et sa spécialité, c'est le film publicitaire esthétisant à dominante orangée. Non, la ragazza, hein? Un casting eccezionale. È una bomba. Penso che faremo insieme, all together, un grande film. A great movie! I love Starlight. Très bien. Donc, je note. La réunion a duré 7 heures. 7 heures de branlette. Avec quelques morceaux de bravoure. Non, je suis pas sûr qu'elles doivent porter des lunettes. On va perdre le regard. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Et attention, hein. Il faut que ce soit un yaourt dans la vie. In the life. Gagnant, autre chose? Oui, important. J'aimerais qu'on valide la densité du verre de la pelouse. Maintenant. Très bien. Non. Non. À droite. À droite. En haut. En haut. En haut. Oui, alors voilà, donc les plusieurs échantillons de gazon. En haut. En haut. Ah, en c'est haut. Mieux. Hein, en bas. Là. Là. Oui, là c'est mieux. Là c'est beaucoup mieux. Bah, là on est vraiment dans le, une réflexion produit, un accord non, produit. Non, 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 en haut. Non, en bas. Ah oui, là c'est mieux. Là. Là. C'est mieux. Non, là on est vraiment sur Starlight. Là c'est Starlight. Bon, ok, c'est bon. Ok. Donc Corinne, vous notez ce gazon, je ne sais plus quelle référence c'est. Alors, en tout cas, validé, gaz 002. Merci, Christian. Bien, enfin, la musique... Enfin bref, ça faillote, ça titille, ça gnognote, ça se touche la nuit. Comme d'habitude, quoi. Et pendant des heures. Madame. Un peu aéroport, ça. Ouais, un peu ça va pas. Celle-là est plus évanescente. Eh ben, allons-y. Pas mal, ça. Ah, troisième... Pareil, c'est encore plus comique. Et regarde ce mec, là. Non, mais c'est intéressant. Bon, je sais pas... non, je pense que c'est la deuxième, quand même. Hein. La deuxième, moi, ça me semble très, très cohérent par rapport à Starlight. Ok, banco pour la deuxième. Validé. On aime bien. Parfait. All right. La bonne cocaïne coûte 700 francs le gramme. C'est vachement bien organisé en fait. Les pauvres vendent de la drogue pour s'acheter des Nike, et les riches vendent des Nike pour s'acheter de la drogue. Thank you.
pas. Je prends pas de... Merci, vous donnez votre bagage? Non, c'est bon, merci. Je me prends. Bonjour. Il était toujours là, mon ami, le sans-abri. Et pour la première fois, j'avais trouvé la force de lui parler. Monsieur le vagabond? Monsieur? Monsieur le sans-abri? Monsieur? Lui aussi était mort. C'était le signal de départ. Il allait m'aider. Il fallait exploser du lair et disparaître. Très vite. Ouais, Sophie, c'est moi. Écoute, bon, je sais que j'ai déconné, mais enfin, ça y est, je suis revenu. Je suis revenu pour toi, pour moi, pour la petite, pour tout ça. Je comprendrais très bien que tu me rappelles pas, mais je préfère que tu me rappelles. Je pars au bout du monde. Voilà, rejoins-moi. Je t'aime et j'ai pas envie de te perdre. Bon, ce message n'est pas très bien rédigé, mais enfin, il faut que j'en travaille. Mais l'idée y est, quoi. Elle est là. Reviens, je t'en supplie. T'es bien chargé, Parango, hein? Allez, repose-toi. Il avait décroché un bon job à la pub de TF1. C'est lui qui a mis le film à l'antenne. J'ai aussi laissé une lettre expliquant mon geste et transféré tout mon flou sur un compte bancaire au nom de ma fille. Et acheté des billets pour une destination inconnue. Je m'appelle Jean-François Denis, et je ne m'habille pas chez Gucci. Elle est bonne? Énorme, hein? Rien à voir, hein? She's the girl of the new century. Oh, l'idée des chocs sur le port, tellement improbable. Fabienne craque, comme chaque fois. Oh, génial, Kip. Bah, tout va bien alors, Fabienne. Oui, mais non. Fabienne. Allô? Fabienne. Fabienne, excusez-moi, mais c'est. Quoi? C'est pas ce que le verre qu'on est validé en rayon. Fabien, tu viens manger. Tamara, 27 yogurt. Formidable. J'ai fatto venire fame. Bravo, c'était super, vraiment. C'était la meilleure, non? Rosa, là, elle était vraiment bonne. Super, très bien. Ah, ouais. Mamma. Un joli petit dos. Mamma, ma quante volte te lo devo dire? Sto... Et puis, certo. À mon avis, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Hein. Ouais. Pas s'emmerder avec elle. Hein. Tu veux que je te la... À peine. Je me débrouille très bien tout seul. Hein? Faut pas? Allez. J'insiste pas. Hein? Je vais regarder la vidéo là. J'insiste pas. Fabienne, je vous assure que c'est pas le bon vergazon. Fabienne, je vous assure. Jean-Christian, s'il te plaît. Tu seras mieux avec des retouches informatiques, mais tu m'as bien fait bander. Hein? Donc il faut s'habiller en petite bourge pour te faire bander, c'est ça? Ah! Et si on se mariait tous les deux? Hein? Non, mais je suis sérieux. Je me disais un mariage en blanc, très traditionnel, avec un enfant de cœur, toi, vierge. Hein? De moi. Non? Ouais, je vois bien le mec minable qui vient de larguer sa femme enceinte et qui demande sa main à une pute. C'est un truc que j'utilise très souvent. Ouais. C'est le cliché du pauvre type seul qui se raccroche aux branches. Qu'on m'a fait 48 fois.
S'il vous plaît, regardez enfin. On va repeindre toute la pelouse. C'est pas ce qu'on avait décidé, mais ne me dites pas que c'est du vergazon, ça. Et si non è un vergazon, sarà un verde ranocchia. Come tutti mangia ranocchie francesi come te, mannaggia. Gagnant, sei un grande strullo. Non mais attention comment vous me parlez. Jean-Christian, c'est lui le réal, il sait ce qu'il fait. Sante parole, santa Fabienne, vai, portalo a fa un giro, vai, gagnant. Vai con Dio. Un citrullo, uno zuzurellone. Qui va l'idée. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Tout marchait comme prévu. J'avais réussi à convaincre Tamara. Quant à Charlie, c'était vraiment pas un problème. Il était déjà très loin. Quelle bande de branleurs, alors. Bon, ben, vous avez gagné. Repeindre le crépi en numérique. Il faut toujours être derrière. Ah, Octave, sei proprio uno stronzo! Gliel'hai messo nel culo! Je le savais! Et toi, le macaroni là, tu veux... J'adore. Oui, parce que c'est une coutume dans la pub. Normalement, le client ne voit jamais. On baptise le film un peu comme un bateau. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de pellicule dans la caméra. C'est un rituel secret. Ça restera entre nous. Tiens, montre-lui. Hein ? Vas-y. Regarde, mais Charlie, qu'est-ce que tu foutais? Madone. Et le baptême, tu veux que Madone soit maudit? Eh oui, attends. Je suis désolé, j'ai merdé. Madone. Allez, vas-y, lâche-toi au moins une fois dans ta vie, mec. Vas-y. C'est rien, c'est une coutume, c'est rien. Fais-le, c'est un yaourt. Ah, il gagna. Qu'est-ce que tu diras à ton enfant plus tard? Qu'est-ce que tu diras? Vas-y. Hein, tu diras que papa chlingue la loose, c'est ça? Oh, attends. Comment tu t'appelles? Jean-Christian. Jean-Christian comment? Gagnant. Alors tu, Jean-Christian, deviens gagnant. Tu, Jean-Christian, deviens gagnant. Tu, Jean-Christian, deviens gagnant. Tu, Jean-Christian, deviens gagnant. Kill Jean-Christian, become gagnant! Yeah. Yeah. Oui. Il fallait en sacrifier un sur l'autel du consumérisme. Seigneur, tu as choisi Jean-Christian. Qu'il repose désormais en paix. Putain, Fabienne avait assuré grave. Giovanni avait fait son plus beau plan. Ce serait vraiment une sortie en beauté. Ça y est, j'étais revenu. Pronto! Mamma! Mamma, qui è uno sballo! Miami by night! Allô, Sophie, mon amour! Je t'aime, mon amour! Je m'aime, papa, j'ai tout compris, je te jure! Je me sens responsable! Rappelle-moi, mon amour, je veux plein de gamins! Madame, madame, tu peux en couper! Pronto? Pronto, Giovanni? Non,
C'est puissant. Non. Non. Fuck Starlight. Je suis pas bien du tout là. Scooby-Doo, j'ai l'impression que je suis en bad. Ba-ba-ba-ba-bad. Ba-ba-ba-ba-bad. Ba-ba-ba-ba-bad, ba-ba-bad, ba-ba-bad. Ça va comme ça, monsieur Duller? Il y a assez de légèreté? Coupé! Ha ha ha.